Jusqu'à présent, nous avons vu comment programmer et installer un switch pour commander un aiguillage, mais également monter la rétrosignalisation à travers les modules de détection de train de Massot, ainsi que le module de feedback qui ramène l'information à la centrale. Il est temps maintenant d'utiliser pleinement notre ordinateur avec le logiciel Train Controller. Et pour ce faire, nous allons réaliser aujourd'hui notre premier TCO, train de commande opérationnel, en mêlant à la fois Massot et Train Controller. En quelques minutes, il est impossible de faire le tour d'un logiciel aussi complet que Train Controller. Donc, on va se contenter des 6 points que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire on va vérifier déjà que le lien entre la centrale Massot et Train Controller s'effectue correctement. Ensuite, je vais vous montrer comment tracer très simplement un TCO. Également, rajouter le paramétrage des aiguillages. Très important pour Train Controller, l'ajout de cantons et des contacts qui leur font partie. Une fois qu'on aura fait ça, l'ajout d'une simple locomotive. Et enfin, nos premiers tours de roue avec la fenêtre de train pour piloter cette locomotive. On a besoin pour démarrer la connexion entre Massot et Train de Contrôleur de vérifier quel est le port utilisé par la centrale Massot. C'est un paramètre dont on va avoir besoin dans Train de Contrôleur. Donc on voit ici que la centrale Massot DIMAX 1200Z est sur le port COM4. L'interface est ouverte, donc a priori, c'est bon. Donc maintenant, on peut fermer le Massot Service Tool et démarrer Train Controller. Alors, pour ce nouveau réseau, la première chose à faire, c'est configurer le système numérique que nous allons utiliser. Pour nous, c'est un Massot DIMAX sur le port 4. Donc, c'est bien ce que nous avons vérifié. Si par hasard, vous n'êtes pas sur le bon COM parce que vous avez changé les ports USB, il suffit d'aller sur Changer. Et à ce moment-là, dans la fenêtre déroulante, vous pouvez sélectionner le port qu'il vous faut. Donc nous, on est sur COM4. Donc maintenant, on va redémarrer un nouveau, on va faire un nouveau TCO. Alors au début, je vous conseille de ne pas essayer de faire un TCO qui prenne tout l'espace de l'écran. On va prendre le crayon. Alors mon réseau, si je simplifie, c'est une ligne droite. Ensuite, il y a un angle. Ensuite, il a une ligne droite qui se termine. Ensuite, il part sur le côté. Alors ici, j'ai un aiguillage. Donc, mon réseau, il part comme ça. Et ensuite, j'ai une fin comme ça. Voilà, ça c'est mon réseau tel qu'il existe en réel. Alors ensuite, à vous de voir si vous voulez présenter le réel ou une version dépliée du TCO. Alors ça change rien, on va continuer. Donc on a sur le réseau 2 aiguillages. Donc on va aller les paramétrer. Alors ici, c'est sur le mon aiguillage, il est commandé par Massot et son adresse c'est 1501. OK. Et là, pareil, mon réseau, il est commandé sur l'aiguillage 1502. Et voilà, normalement, si on clique dessus, ici, on sort du mode édition, on passe en mode opération du réseau. Si la centrale est connectée, il ne faut pas oublier de se connecter ici. Donc là, on voit qu'en bas, le programme est actif. Le port 4 est utilisé, donc je suis sur Massot. Et donc là, ici, on voit que l'icône change de forme. Et si j'active ici, on entend les aiguillages qui changent de forme. Alors maintenant, on va rajouter nos cantons. Alors le canton, il se trouve ici. Donc si je fais un canton comme ça, vous apercevez que il n'est pas très beau, ça veut dire qu'il faut que je change mon TCO. Alors comment changer un TCO? Alors tant pis pour les aiguillages. Alors il suffit d'aller sélectionner par exemple ici et de dire, bon mais finalement toute cette partie-là,
Je la veux pas. Touche delete. Voilà. Donc je vais redessiner un peu mon DCO de manière à pouvoir ensuite représenter correctement mes cantons. Alors on va lui faire quelque chose comme ça. On va faire comme ça. Voilà. On va le faire comme ça. Voilà. Lui, on va le faire descendre comme ça verticalement. Et quand alors là, on voit que ça va, c'est pas ce que je voulais faire, donc c'est pas grave. Avec la touche espace, vous pouvez effacer aussi plusieurs lignes. Je me contentais de faire ça. Et là, il s'est retrouvé. Donc là, il faut que je reprogramme mes aiguillages parce que je les ai enlevés. Donc là, vous avez compris, il suffit d'aller sur l'aiguillage, double-cliquer, de choisir le système numérique ici, qui est le ma SOT 1501. Okay. Et ici la même chose, le massot 1502. Ok. Alors maintenant, il va falloir que je positionne mes cantons. On va en commencer un ici. Alors celui-là, il s'appelle. Alors on va lui donner un nom, pas canton 1, mais moi je l'appelle C comme canton et c'est l'adresse 21. Alors pour faire un canton, une fois qu'on a donné un nom, c'est pas tout. Il faut aller dans l'éditeur de canton, ici cliquer au milieu du canton et faire un nouveau indicateur. Là, le canton devient raw, c'est-à-dire qu'il a une connexion numérique. La connexion, on va aller la spécifier ici dans la propriété. Alors là, on va lui dire que c'est le système numérique Massot, que c'est le seul qui est connu par le système, et son adresse Massot est 1521. Alors je pourrais l'appeler le canton 1521, mais ça fera un peu trop long. Donc je préférais faire un abrégé en l'appelant 21. Je sais que tous mes cantons commenceront par 1500. Alors après, ce qu'on peut faire, une fois qu'on a validé ça, c'est que ce canton-là, il va avoir des trains qui vont arriver par la droite et qui vont s'arrêter. Ensuite, ils ne peuvent plus aller plus loin, puisque il y a le mur. Alors on va le rajouter deux. On va lui dire sur une longueur de 100 cm, il faut ralentir. Et ensuite, on va lui dire à 120 cm ou 115 cm, il faut que tu t'arrêtes par rapport à la tête du train. On verra après qu'on peut faire des choses plus compliquées. Voilà, je le redéplace ici simplement pour qu'on voit bien. Et mon canton, plutôt que de refaire 25 fois, je vais simplement faire du copier-coller. Donc, contrôle, édition, copier. On peut faire contrôle C directement. Ici, il faut que je crée un autre. Donc, édition, coller. Elle ne va pas s'appeler 21, celui-là. On va l'appeler 22. Et dans les propriétés ici, on va l'appeler 1522. Alors ensuite, on s'est aperçu que il fallait lui faire un. On va le mettre pareil sur 100. Et on va lui dire quand mon arrêt sera à 1150. Sur ce canton-là, il est très long, il fait 3,50 m, donc il ne va pas y avoir de problème. Alors ensuite, j'ai besoin d'un canton. Alors je vais reprendre ce canton-là, copier. Je vais mettre ici, je vais faire un copier. Alors c'est pas un paramétrage parfait, mais normalement on peut maintenant placer une locomotive sur le réseau et la faire circuler. Donc on va voir comment on fait tourner une locomotive. On va créer donc sur le menu du train, créer une locomotive. On est sur le mode édition. On va sélectionner la locomotive. On double-clique ou on fait bouton de droite propriété. Donc ma locomotive elle est commandée par le système Massot. Et son adresse c'est 215. Ensuite, on va aller ici sur la. Alors ici, on peut choisir
une des images et des nombreuses images qui se trouvent dans Train de Contrôleur. Donc, si vous savez quel type de locomotive, c'est facile. Moi, mes locomotives, je les ai faites avec Train Animateur. Et je sais que la locomotive qui m'intéresse maintenant, c'est celle-là. Donc, je vais lui rajouter son image. Comment je ferai l'image? Ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc, on a une image pour la locomotive. On sait qu'elle est référencée par le, pour Train Contrôleur. Il n'y a pas besoin de plus à cet état, à ce niveau-là. Et on voit que la rétrosignalisation montre bien que ma locomotive, ce canton C23 est occupé. C'est là où se trouve effectivement en réel ma locomotive. On voit la locomotive au début de l'image, en haut dans son canton, et on peut la faire avancer avec la fenêtre de train à la vitesse qu'on souhaite. Alors comme on ne gère pas les trajets et les itinéraires, mais simplement à la main, il faut effectivement arrêter à la main parce que Train Contrôleur ne le fera pas. Si on veut, on peut changer l'aiguillage. Et refaire avancer la machine. Alors on s'aperçoit que l'aiguillage ici a été monté à l'envers, puisque quand il est en position droite, c'est comme s'il était en position tournée. On va voir comment on peut le changer. Et la machine continue à faire ses tours. Alors comment changer un aiguillage puisqu'il est en mauvaise position? On repart en mode design. Et ici, il suffit d'inverser la position de l'aiguillage. Voilà. Voilà. Et maintenant, les positions seront inversées sur le TCO. On n'a pas besoin de recâbler. Il suffit simplement de cliquer ici dans Train Contrôleur. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode. On s'attaquera au profil des vitesses des locomotives, puisque sans ça, on n'arrivera pas à avoir des arrêts propres. Donc à bientôt pour un prochain épisode.